Sarah, bonsoir. Apollo non. Comment tu vas, ma soeur chérie? Je t'ai vu, toi qui mets les têtes de moi, là, je connais à ton profil. Oui, je te filme, je te filme. Je te filme, bien-même. Je te filme, bien-même. Je ne suis pas en train de me dire. Je te filme. Non, je te filme. Ok. Je te filme. Ok. Je te filme. Ok. Je te filme. Ok. Je te filme. On passera sur les réseaux. Ok. Tu verras que tu voilà. Connais mon adresse. Tu connais mon adresse, oui. Connais bien mon adresse, c'est bien. Bien. Prends ton enfant, tu vas chercher. Faut qu'il t'aide devant moi. Faut qu'il t'aide, oui, il se retourne, c'est mieux. Va chercher, tu viens chercher voilà. Ta fille et tu t'occupes pas des autres. Voilà. Là maintenant je t'ai filmé, on va voir. Aïe non. Oh. Non, 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 non. Asrine Gambé, Asrine Gambé, arrête ça. Arrête ça. Asrine Gambé, tu arrêtes ça, s'il te plaît. Asrine Gambé, faut arrêter. Faut arrêter, faut arrêter. Faut arrêter ça. Faut pas dire des choses comme ça, franchement. Faut pas dire ça. Ce qu'elle subit là, ça fait peur. La vidéo là fait mal au cœur, franchement, ça me fait une pitié. Ça me fait pitié.
tu as pitié d'elle. Ouais, ça, je ne l'ai pas regardé, hein. C'est la reine mère de Lolomania, elle m'a envoyé ça le temps que je me préparais pour faire mon direct. Je n'ai pas eu le temps de regarder ça. C'est là maintenant que j'ai dit que je vais un peu regarder, je lance le direct. C'est là où je vois, franchement ça fait pitié, hein. Ça fait vraiment pitié parce que, surtout quand elle est en train de crier là, elle dit mon bébé, ah franchement, elle dit mon bébé est chez moi, mon bébé, ça fait pitié. C'est la raison pour laquelle je vais dire à l'autre jour que je ne parle plus de cette fille. Parce que Facebook, comme vous voyez là, c'est la sorcellerie. Il y a la sorcellerie dans les réseaux sociaux. La sorcellerie, quand on dit que la sorcellerie, quand je vois la vie de la fille, si j'ai mal au cœur, je vous m'en parle. Je dis que j'ai même plus le courage de faire le direct. Parce que la reine de l'Oloa m'a envoyé ça, parce qu'elle a pris ce Joël Brown. Elle m'a dit qu'il y a le truc là. Elle m'a dit que bon, moi j'ai vu une truc, je n'ai pas eu le temps de regarder. J'étais dehors, je suis arrivé là et je n'ai pas eu le temps de regarder Facebook parce que j'étais sur WhatsApp pour répondre à mes clients parce que les jolies sont arrivées. Donc, il y a beaucoup de commandes. Donc j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont écrit, donc j'ai passé mon temps à répondre sur WhatsApp. Et elle, mon sérieux, elle me dit qu'il y a, je regarde, quelqu'un qui s'est lancé mon direct que je vais regarder. Mais, hein, ce n'est pas normal. Fais pitié. Voilà. Là maintenant je t'ai filmé, on va voir. La fille là me renversée. Ouais. Oh. Ouais. Regarde comment tu agresses une personne devant son enfant. Hey les Africains. Ouais. Montre la vidéo. Tu vas voir, ça va te servir à quoi. Je vous ai expliqué si l'autre jour, quand j'ai parlé de l'affaire de Didier Arafat, que Arafat est mort à cause de la pression des réseaux sociaux. C'est ça qui tue Didier Arafat. Il y a trop la pression dans les réseaux sociaux. Il y a trop la pression. Quand tu es sur la pression comme ça, les réseaux sociaux, tu peux te... C'est que Eka a eu là. C'est qu'elle a trop de pression. C'est qu'elle a même peur de tout le monde. Quand elle marche dans la rue, elle a peur. Elle ne sait plus qui... Regarde comment elle est masquée là. Parce qu'elle a même peur qu'on la remarque quelque part. Elle est obligée de se masquer. Elle a peur. Parce que quand tu as la pression sur les réseaux sociaux, tu ne sais pas qui peut venir derrière ton dos, te battre ou te donner un coup de poing ou peut-être t'agresser. C'est qu'il fait que tu te méfies de tout le monde.
Tu te méfies de tout le monde. Tu sais pas. Vraiment, tu as peur. Tu remets la vie. La femme est en train de prendre la caméra, de la filmer comme ça. Elle a eu peur. Elle a eu peur. Elle a dit à la femme qu'elle ne me filme pas. Et la femme, était sur l'agressé. Et c'est les groupes, les groupes de Facebook, là. Les groupes des réseaux sociaux, là. Donc, il y a les gens qui supportent tel, les gens qui ne supportent pas tel. Sûrement, il y a une qui supporte l'autre et qui ne supporte pas l'autre. Elle est venue là-bas pour prendre les photos. Vous publiez ça sur la toile. Non, moi, je parle plus d'elle. Hein. Même l'autre jour, je dis ça à mon Dieu, que je n'ai plus envie de parler d'elle. Hein. Je ne veux plus parce que moi, quand je vois les choses comme moi, quand je vois que la haine monte et à trop d'autres, si j'ai publié Aya Robert, Aya Robert, quand j'étais au Cameroun, j'avais mes problèmes. C'est la seule blogueuse ivoirienne qui a fait un direct pour me soutenir. Hein. J'ai encore le direct là sur sa page. J'ai, donc, quand j'ai appris qu'elle s'est fait agresser dans le conseil de Serge Benoît, j'ai pris mon courage, j'ai aussi apporté mon soutien. C'est normal. Ça n'a rien à voir avec les histoires qu'elles font entre elles. Non. J'ai fait ça parce que Aya Robert était agressée. Parce que quand j'ai eu des problèmes au Cameroun, c'est la seule qui m'a soutenue. Elle a fait un direct pour m'apporter son soutien. Ça n'a rien à voir avec les problèmes qui les guéguaient entre eux, les Ivoiriens. Là. Non, ça n'a rien à voir. Donc, les gens ont cru peut-être que j'ai fait ça par rapport à Emmanuel Keïta. Non. C'est parce que c'est une personne qui m'a soutenu quand j'étais dans la merde au Cameroun. Elle a fait un direct pour m'apporter son soutien. Mais ça n'a rien à voir. Mais là, ce que la femme s'y dit là, c'est la pression des réseaux sociaux. Elle a peur. Je lui ai même demandé de ne plus faire des directs par rapport à elle. Que laissez ça passer. Comment, qui a pas les problèmes dans votre pays? En Côte d'Ivoire, il n'y a pas les problèmes. Vous pouvez parler. Je vous dis, c'est vous les internautes qui encouragez ça. Il y a des hypocrites dans les réseaux sociaux. Quand tu vois quelqu'un qui a mal parlé de Emmanuel Keïta, venez dire demain que je suis avec toi. Les hypocrites de la toile là, des mères comme les enfants, sont des cris qui créent cette haine là. J'ai dit que moi là, ça ne passe plus avec moi. Tu viens mal, je t'assomme sans pitié. Des hypocrites en quête de visibilité. Ils veulent s'accrocher là. D'autres disent que non, on aime Emmanuel Keïta parce qu'ils sont des hypocrites. Le monde de Facebook, c'est un monde dangereux. C'est un monde très dangereux, Facebook, si. C'est la raison pour laquelle il dit tu avais moi, je te mets, tu pars, je n'en ai rien à foutre. Je ne m'accroche pas aux gens. Je ne m'attache à personne. Je ne m'attache pas à quelqu'un. Je ne m'attache pas. Le jour que tu es parti, au revoir et merci. Quand ils sont en train d'agresser l'enfant de quelqu'un comme ça. Hein? Elle, tu Nangada, Emmanuel qui est assis, c'est une moumou. Hein? Tu te dis que j'ai signé sur Nangada, je prends un compte. Mais attends, elle n'est pas obligée de se filmer. Vous filmez les gens pourquoi? Vous filmez les gens pourquoi? C'est obligé de filmer quelqu'un. Elle dit qu'il ne me filme pas, tu filmes. Et c'est toi qui arrêtes la bagarre devant son enfant, maman. L'enfant est devant sa mère. Tu tapes ton enfant. L'enfant est quelqu'un devant sa mère. C'est la malchance de Facebook. La mauvaise que vous mettez sur les enfants des gens. Vous revenez dans vos maisons, vous ne faites rien. La dépression. Vous ne pouvez pas vous excuser de vos foyers. Vos maris sont là, vous ne vous occupez pas de vos maris. Vous êtes que H24 pour s'aimer la haine dans la toile. Les essaux-là, les serpents à quatre têtes. Vous êtes ici, là, là, là. Vous êtes dans tous les directs pour attiser la haine. Pour courir les uns contre les autres. Pour s'aimer le tout, parce que ça vous arrange. Depuis plus de un mois, on parle d'une seule personne. J'ai fait le dire, c'est à l'autre que ne parlez plus d'elle. Passez à autre chose. Vous, les Ivoiriens, il n'y a pas de choses dans votre pays. Il n'y a pas de causes nobles dans votre pays où vous pouvez plaider. Il n'y a pas les trucs en Côte d'Ivoire, les enfants battus, les femmes maltraitées. Il n'y a pas de trucs qu'on veut parler. Vous parlez seulement d'une seule personne. C'est quoi cette histoire? Toute la monétisation là, maman. Toujours la monétisation. Aïe! On prend la graisse de quelqu'un d'autre. C'est qu'elle n'est plus en sécurité. C'est qu'elle a eu là, elle peut avoir ça demain quelque part. Elle n'est plus en sécurité. C'est qu'elle marche avec la peur. Toi-même, Sylvia, là, je demande, hein, l'amitié obligée. Toi, si tu es un con, Zola. Hein? Toi, si tu arraches clou. Sylvia, toi, arraches clou, Sylvia. Là. Depuis que tu te sépares avec la femme, si son nom est dans ta bouche, tu as fait la samaya derrière son nom. Tu as créé ta page derrière son nom. Tous les jours, c'est son nom, c'est son nom. Arrache clou. Tu vois pas ton devant de la bouche, là. Hein? Quand tu as le devant, le caterpillar, là, le con, le râteau, c'est quoi? Hein? Quand l'amitié est finie, chacun prend sa route. Elle a même fait le direct pour parler de toi. Moi, je te soupçonne même de cette affaire. Peut-être que c'est toi-même qui allais même payer la fille de la filmer. C'est une fille, ça doit être une de tes copines. Hein?
Pourquoi depuis longtemps tu es derrière cette femme-là tous les jours tu es derrière, et tu fais le direct sur elle? C'est comment? Vous êtes chicken tui. Hein, arrache-clou. Vous êtes chicken tui. Nkonzo. Vous êtes chicken tui. Parce que l'arrache-clou est comme ça. Je sais, c'était dans la démenture, c'était dans la somme comme la colline. Tu cherches ce quoi vient la femme tu, depuis des années. Tu laisses le direct sur elle, le matin sur elle, tu baises ton mari encore un jour. Tu es amoureux, de aller vous arranger. Vous êtes chicken tui, mon frère. Tu as envie de tirer son clitoris. C'est quoi? Et tu jubiles quand tu vois une femme comme toi, comme ça, l'agresse. Quels que sont les points que tu peux avoir avec une personne? Quand on agresse une personne, tu vas te ranger. Tu vas oublier la haine. C'est normal, si quelque chose arrive là, tu seras contente. Moi, j'ai voulu parler d'appel, que ça ne me sert même plus à rien de parler d'elle. Hein. Moi, je dis que je parle plus. Mais, parce que là, ça m'a dit que nous ne parlons pas de ça. Hein? Tous les jours, dans tous les directs ivoiriens, c'est seulement le nom de la fille ici. Tous les directs ivoiriens, Eka, 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 Eka. J'ai dit, dans votre pays, il n'y a qu'une fille qui est belle comme Eka là. Il n'y a pas de fille en compte, tu vois, tu as sa silhouette. Ouais, Seigneur. C'est quelle méchanceté, c'était ça. Vous allez déjà très loin. Laissez la femme ici dans son coin. Je vous ai dit ça le jour que je n'ai plus envie de parler d'elle et je ne parlerai plus jamais d'elle. Ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas moi ivoirienne. À un moment donné, on passe à autre chose. Tous les jours, la femme si, tous les jours dans tous les directs, tous les jours, les blogueurs ivoiriens se multiplient de jour en jour. Hey! Massa! On compte les blogueurs camerounais. Chez vous, là, c'est tous les jours que les blogueurs. Je vois les blancs, oh, je vois les métis, oh, je vois les noirs, oh, je vois tous les jours les nouvelles têtes, tous les jours ils créent les pages. Avec le nom d'Emmanuel Keïta. Ceux qui soutiennent, oh, ceux qui ne soutiennent pas, oh, c'est les guerres. Oh. Elle a volé, oh, elle a fait ceci, oh, elle a fait ça. Vous n'êtes pas fatigué? Ouais. Non. Non. Non, 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 moi, je n'aime pas ça. Non, 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 moi, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est traumatiser la femme-ci. Je veux dire que Facebook, là, quand vous nous voyez, on joue les robocoques. On joue les durs. C'est quand tu restes chez toi le soir. Quand tu regardes tous les injures qui sont portées contre toi, tu commences à pleurer seul. Elle vient de se séparer d'un homme. L'homme l'a mis ses fesses dehors. Même pas deux jours, nous des filles sur la bas que, oh, après aujourd'hui, on entend qu'elle s'est battue. Si la fille s'y meurt, vous allez dire quoi? Maman, moi, je vais défendre l'angassi. Vous avez compris, non? Moi, maintenant, je vais défendre Maria Keïta là. Oui. Il ne faut pas exagérer. Il y a un moment, il faut dire que bon, on a déjà, si on en fait trop, c'est bon, on passe à autre chose. C'est donc, ça parle de besoin, ça ne finit pas. Pour vous, le besoin dure deux mois, mon frère. Depuis là, la femme, c'est la bouche. Depuis là, je crois même qu'après l'événement de machin là, ça devait finir. Donc, ça ne fait que continuer. Vous n'êtes pas des blogueurs. Vous êtes des clasheurs. Quelle est la cause que vous menez en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous, les blogueurs ivoiriens, vous apportez dans votre pays? Hein? Vous apportez quoi? Nous, les Camerounais, moi, je dénonce le truc du Cameroun. Demain, au Cameroun, là, en Guinée équatoriale, mes frères qui étaient liés à les Ivoiriens, les Burkinabés, les Maliens, tous les Africains qui étaient en Guinée équatoriale, on les a enseignés. Je n'ai pas entendu l'un de vous parler au nom de vos frères ivoiriens, alors qu'il y a une grande communauté ivoirienne en Guinée équatoriale. Aucun blogueur ivoirien n'a même parlé de ça. Mais chez nous, on parle de ça. Quand vous dites que nos frères sont en difficulté, nous on se prononce là-dessus. Vous êtes qui dans le Congo, ça entre vous. Eh, hey, Robert bagarre au conseil des manières de José. C'est le Congo, ça. C'est les directs. C'est la même bagarre. L'autre a croqué le doigt. L'autre. Mais c'est comment? Eh! Hey, ça ne vous pas, vous n'êtes pas fatigué. C'est que vous quittez là-bas. Oh, Emmanuel Keïta, n'est pas imputé 005. Elle a dit que les enregistrements font que. La seule qui est intelligente parmi vous là, c'est Bololo Beauté. Non, exagéré. Ça, c'est exagéré. Depuis plus d'un an, laissez la femme-ci. C'est moi que la sorcellerie des réseaux sociaux. Les essaux là. Il y a les essaux là sur la toile là. Les serpents à 50 têtes. Les semences de troubles. Qui se baladent dans les mauvais esprits sur la toile pour détruire les enfants des autres. Moi, tu viens sur moi, tu me trouves. Tu es là pour mon papa André. André, je suis protégé par ma mère. C'est quoi? J'ai pitié de la fille, je ne vous manque pas. Non, j'ai pitié, non, ça me fend le cœur. Arrêtez. Vous allez être belle comme elle. Il n'y a pas de belle fille en Côte d'Ivoire.
Depuis que vous êtes en Côte d'Ivoire, c'est la seule Ivoirienne qui ressemble, qui a le corps des Mayens, qui est taquée, même ceux qui chantent. Donc, dans votre pays, il n'y a personne d'autre. Au Cameroun, il y a beaucoup. Au Cameroun, il y a beaucoup de Coco Emilia. Il y a les joueurs bronzes là qui sont belles. Les Coco Emilia, Nathalie Coyen, sont belles. Les Lolo Fondia, nous sommes nombreuses. Pourquoi vous agrippez seulement sur une seule personne? Tous les jours, vous parlez de la fille là. Tous les jours. On dit que quand tu parles de. Quand on parle, les gens parlent de toi, ça t'amène même la malchance à la vie. C'est ça qui la porte. Vous la mettez la malchance. Laissez l'enfant là vivre sa vie. Ya! Yeah. Oh non! Vraiment! C'est pas bien. Moi, je suis pas hypocrite. Hein. Quand je ne veux pas quelqu'un qui me. Comme j'ai fait là, quand je, avec elle, ça ne passe pas. Je dis ce que j'ai dit sur elle, je passe à autre chose. Je ne m'agrippe pas sur elle. Mais je ne la déteste pas. Je ne peux pas la voir. Je dis que j'ai un seul fils. Non! Mais après, je dis que mais c'est quoi cet acharnement là? Vous voulez qu'elle meure? Si elle meurt, vous allez nourrir ses enfants? Vous allez vous occuper de ses enfants. Elle a 4 enfants. Toi, la sale chienne là, qui quitte de chez toi, avec ton corps qui est plein de dodo, lolo, lolo, ton corps qui bouge comme le couscous là, tu peux agresser quelqu'un. Tu es devenu caméraman. Tu es pas parasite. Regarde-moi une idiote. Elle te filme, elle te filme. Tu filmes quoi sur elle? Hein? Parce que tu voulais passer à Sylvia. Tu voulais envoyer ça à Sylvia, que Sylvia publie sur sa page. Sylvia, Ngonzo. Tu dis que tu es belle. Sylvia, tu t'es lavé sur Facebook, on t'a vu. Tu t'es lavé sur la toile, on t'a vu comment tu t'es lavé sur Facebook. Tu étais sale quand tu es arrivé. Tu dis que tu portes le maillot de bain, tu as un joli corps. Mais ta tête, là, on coupe, on jette, ça ne ressemble à rien. Tu es belle avec quoi? Tu es belle avec quoi? Tu es jaloux de Mayen Keita. Parce que Mayen Keita est plus belle que toi. Laissons le bavardage. Elle te dépasse en beauté, devant, derrière. Même dans l'obscurité, on la récupère, on te laisse. Il n'y a pas match. Elle est plus belle que toi. Tu pleures son amitié. Lui, on les entend. Tu t'appelles. L'amitié, vous étiez ensemble. Vous n'êtes plus amis. Mais elle est partie. Tu pars aussi, non? Est-ce que l'amitié s'est devenue prise en charge? Pourquoi vous attachez aux gens? Elle n'est pas ta soeur. Vous n'êtes pas parenté. Vous ne vous connaissez nulle part. Vous êtes connu en France. Tu as tout raconté d'elle. Qu'elle n'a pas le kaolo. Elle n'a pas la maison. Les hommes viennent. Les hommes viennent. Un buisson. Tu as tout dit. On a entendu. Mais face à autre chose. Quand tu es sérieux que tu es sa star, ou tu es un tchikin, tu caché. On a pensé qu'il y a les lesbiennes rejetées. Qui se trouvent devant le lécher, les cutoïs des femmes. Elle ne trouve pas. Peut-être que tu es amoureux d'elle. Tu es amoureuse d'elle. Elle ne te veut pas. Elle que tu n'es pas sa classe. Quand elle te veut, elle te tue. Tu étais sa quoi, sa boniche. Elle t'a voyé faire des choses. Elle t'utilisait pour faire ses petites commissions. Elle ne veut plus l'amitié. Prends ta route. Tu crées ton Dieu, c'est quoi? Et on t'entend, quand j'ai appris que tu as fait le Dieu, tu te moques d'elle. Tu te moques d'elle pourquoi? Tu as écrit. Normalement, les blogueurs ivoiriens devaient te chasser. Tous les blogueurs, là, avec ce que tu as fait aujourd'hui, quand on agresse ta soeur, tu te moques d'elle. Tous les blogueurs ivoiriens devaient faire le direct contre toi. Que pas. Pas. Tu as cherché la Stamania à ton nom. On t'a vu. Tu as déjà la page. On t'appelle à Sylvia, arrache-clou. Parce que l'arrache-clou est comme ça. T'es dans la montagne. T'es dans la montagne. Nkonzo. Sinon, on appelle ça le Nkonzo. Tu as l'inconzo. Mais tu veux que tu t'assoies tous les jours sur une femme, sur une femme, sur une femme. Elle te doit quelque chose. Tu as même pris son argent, tu as mis dans tes pots, tu as fait le sixième avec, tu as pu, tu es parti. Laisse la femme là faire sa vie. Fais ta vie, mamie. Crée quelque chose sur toi, tu fais. Ouais. Tous les jours, Emmanuel Keita. Non. Mes frères, nous sommes en fin d'année. Je ne vous manque pas, laissez cette femme là tranquille. Le diable est très fort. Le diable rôde dans les maisons chaque fin d'année. C'est le diable qui vous pousse. Quand j'ai lavé les mains, c'est comme Ponce Pilate, toujours que j'ai lavé les mains dans l'histoire de Mayen Keita, je ne parlerai plus jamais de ça. J'ai vu ça venir. Et je voulais raconter l'histoire de Didier Arafat. Que rappelez-vous bien, c'est ce qu'elle vit aujourd'hui. Elle vit la même chose. Faites attention, ne parlez plus d'elle dans vos directs. Laissez faire sa vie. Chacun a son temps sur la toile. Elle fait son temps. J'ai demandé à vous, ses fans, de cotiser pour elle. De un fonds de commerce. Elle fait son business. Elle se contente. Elle n'a pas besoin de venir clasher. Parce que les gens l'aiment sans clasher. Même si elle vient chanter, les gens sont sur sa part. Toi, si j'arrache clou, une conso, tu te lèves le matin, elle lâche, tu es agueté. Tu dors en bas de son lit. Vous dormez ensemble. C'est quoi avec cette femme-là? Hein? Tu dis que tu es belle, tu es la plus laide des Ivoiriennes. Depuis que je suis née, j'ai même vu une femme qui me fraye comme toi.
Quand elle a ton direct, c'est pas deux secondes. Je te manque pas. Ben, tu me fais peur. Tu parles moi pas ton corps, moi c'est moi tes dents. La rage qui devant. Tu es jaloux de tes dents. Va cirer tes dents en Tunisie. Change le devant de ta bouche, tu mets d'autres choses. C'est quoi? C'est quoi? Tu exagères. Laisse la femme si tranquille. Sa vie te dérange. Va tomber au lac. Grâce à elle, tu as une page Facebook. Nous, on a commencé comme toi. Nous sommes dans les teams. Tous les jours, laissez la femme si. Vous voulez tuer cette femme si pourquoi? Regardez vous-même la vidéo. Ouais. La vidéo, si me fait mal, ok. Je n'ai même pas la force pour parler, mon frère. Regardez-vous, mais. Regardez-moi une chienne. Faut quitter devant moi. Tu parles, elle est ta camarade. Regarde. Je te filme, viens même. Tu n'es pas en train de me filmer. Je te filme, non. Donc tu ne me filmes pas. Ok. Tu ne me filmes pas. Ok, je te filme. On sera sur les réseaux. Ok. Tu verras que. Voilà. Tu connais mon adresse, oui. Connais bien mon adresse, c'est bien. Prends ton enfant, pardon. Faut quitter devant moi. Faut qu'il te oui, il se retourne, c'est mieux. Va chercher, tu viens chercher voilà. Ta fille et tu ne t'occupes pas des autres. Voilà. Là maintenant je t'ai filmé, on va voir. Regardez-moi ça. C'est la partie qui peut me tuer. Je vais te laver maintenant. Toi, Sylvie, arrache-toi. Sylvie, arrache-toi. Toi et moi, on va nous tuer pour la cause de la femme. On va nous attendre à la réseau. Tu vas laisser mon être dans la maison propre. Tu vas t'occuper de ta toile. Tu vas créer ta page de Facebook. Tu exagères. Tu exagères. Avec tes dents qui sont comme les dents en colline. Attends. Ouais, je n'ai pas envie d'être un peu tout ça. Comment tu peux jubiler? Tu jubiles qu'on agresse ta soeur ivoirienne en route. Tu es content qu'on agresse une mère avec son enfant à l'école. Regarde ça. La sauvagerie des Africains. Éric Zemmour va prendre le pouvoir là. Éric Zemmour sera voté. Regardez-moi. Regardez-moi avec ses sales fesses. Regardez. C'est sûr que sa bouche sang, la femme là. Sa bouche sang. Regardez ça. Regardez. Tout ça pour l'humilier. Hein? Regardez. Tout ça pour l'humilier. Regardez. Regardez. Regardez la pauvre. Elle est au milieu des femmes qu'elle ne connaît pas. Tu peux prendre ton enfant à l'école, tu arrives, c'est la bagarre. On fait arrache tout, c'est pas égoïste. Regardez ça, regardez. Vraiment. Hein, regarde. Les enfants sont traumatisés. Ça, c'est méchant. Ouais. 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 Oh. Oui, je te filme. Je te filme, bien même. Je te filme, bien même. Tu n'es pas en train de me filmer. Je te filme, non. Non, tu ne me filmes pas. Ok. Tu ne me filmes pas. Ok, je te filme. On sera sur les réseaux. Ok. Tu verras que je connais mon adresse. Tu connais mon adresse, oui. Connais bien mon adresse, c'est bien. Prends ton enfant, pardon. Faut quitter devant moi. Faut qu'il te oui, il se retourne, c'est mieux. Va chercher, tu viens chercher voilà. Ta fille et tu t'occupes pas des autres. Voilà. Là maintenant, je t'ai filmé, on va voir. Elle est en train de crier. Ouais. Ouais.
Ouais. Ouais. Ouais. Elle dit elle est clé de chez elle. Ouais. 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 Vous savez, je vais couper le direct ici. Je supporte pas les choses comme ça. Je supporte pas. Moi, je suis tout, hein, sauf méchante. Elle me fait pitié, franchement. Elle me fait de la peine. Tu sais, j'ai vécu ça ici sur les réseaux sociaux. J'ai vécu un peu... j'ai vécu... j'étais harcelé sur la toile. Au point où les gens sont même allés chercher ma nudité. Ou publier sur les réseaux sociaux. Une affaire qui ne me concernait même pas. Juste parce qu'il avait créé une émission sur les réseaux sociaux qu'on appelait à cœur ouvert. Les gens n'ont pas supporté ça. Elles sont allées fouiller, aller demander, se renseigner, au point d'aller rechercher une vidéo que j'avais prise avec mon ex. Bon, il avait oublié la clé USB dans ses affaires quand il allait se marier. Et son épouse est tombée sur ça. Elle tenait. C'était comme un chantage. Et après, elle a cédé un jour, c'est juste même pas avec le gars. Le gars était allé au Cameroun en vacances avec, je sais pas avec qui, je sais pas. Et les filles ont profité de ça pour, elles ont réussi à convaincre la dame de donner ma nudité et elles ont profité, elles ont pisé ça sur les réseaux sociaux. Quand je suis allé au Cameroun, j'ai subi la même chose. Je suis rentré du Cameroun, j'étais traumatisé. Je me suis posé mille et une questions, que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quoi? J'ai pas insulté cet homme. J'ai regardé le monsieur là comme ça, Interpol. Je me posais la question que, mais ce monsieur, s'il est sérieux, tu viens avec moi jusqu'au commissariat, à Interpol, une histoire que tu n'as pas de preuves, juste parce que tu veux me faire payer à l'avantage d'une personne qui te soutient sur les réseaux sociaux. Je vous mens pas que sur un tout cas, moi, j'étais traumatisé. J'étais pas traumatisé, quand elle avait dit traumatisé, c'est trop dit. J'étais perdu dans mes pensées, quoi. Je me disais que, mais je n'en revenais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai touché l'aéroport de Roissy, je me suis dit que je suis vraiment rentré en Europe. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, la question que je me pose aujourd'hui, c'est que qu'est-ce que j'ai fait à ce monsieur? J'ai dit l'autre jour, c'est là que laissez l'affaire de Manuel Keïta. Et moi, je disais des mots durs sur elle. J'ai eu à parler avec Aïcha Sol il y a quelques jours, peut-être une heure au téléphone. Elle m'a dit, Lolo, cette fille, il ne faut pas. Tu n'es pas comme ça. Je te connais, tu n'es pas comme ça. Tu n'es pas méchante, je ne veux plus que tu parles d'elle. Tu n'es pas comme ça, ce n'est pas bon. Nous, on la soutient parce qu'elle a besoin de nous. Ne parle plus d'elle. J'ai promis que je ne parlais plus. Je vous ai raconté l'histoire d'Arafat, que laissez la fille là. Laissez la fille là comme ça. Laissez arrêter à ce niveau. Laissez faire sa vie, même si elle fait quoi, laissez. J'ai même demandé à MK Secret que tu n'as pas perdu l'argent dans la soirée là. Tu as gagné. Tu n'as rien perdu.
Tu as gagné, tu n'es pas sorti de cette soirée perdante. C'est elle la perdante. Tu n'as rien perdu. Laissez l'angala. Mais vous continuez tous les jours. Vous savez pas que quand les gens parlent beaucoup mal de toi, ça t'apporte même la malchance dans la vie. Quand vous voyez que je ne veux plus les classes, c'est quoi, c'est pour rien qu'elle dit que je ne veux plus les classes. Quand tu as les classes, tout ce que tu peux faire, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu ne trouves que le malheur sur ton chemin. Tu peux avoir même un business que tu fais, comme mes business. Les gélules qui sont arrivées là, j'ai l'arrivage des gélules. Donc, celles qui veulent commander, vous voyez comment mon cou est déjà maigre, maigre. C'est le travail des gélules-ci. Avec les gélules amaigrissantes de Talolo, ce n'est pas le Congo, ça, c'est la réalité. Avec les gélules-ci, tu perds 5 à 10 kilos en un mois, si tu suis bien la cure. 5 à 10 kilos, ce n'est pas une publicité mensongère. J'ai vu ça sur moi. J'ai perdu 14 kilos, moi. 14. Et voici encore ce qui me reste. Après ça, je ne prends plus. Je vais arrêter cette cure-là parce que je commence à... Je n'aime plus regarder mon cou. Oui, mais mon truc, bon, c'est là. Donc, avec ça, tu perds entre 5 et 10 kilos par mois. Voilà, ceux qui en ont besoin, vous me contactez au 0033-766-29-2201. J'ai l'arrivage. J'ai un gros stock. Ça arrive. C'est beaucoup. Donc, c'est les gélules magiques. Tous ceux qui ont pris ont eu un bon résultat. Toutes celles qui ont pris, je n'ai que les avis positifs des clientes. Il y a des femmes qui ont recommandé et recommandé. Ça marche, c'est pas les histoires comme les gens vous disent d'affaires, que oh les gélules, c'est les gélules magiques. Regardez-vous même mon cou, je n'avais même plus jamais regardé le cou parce que j'ai tellement honte, comme mon cou a séché, parce que j'ai maigri. Mes seins sont encore, mes seins balaient alors le sol, le tout, si le feu sort. Ça balait que le sol, parce que c'est encore devenu plat, plat. Je vais faire comprendre, je vais aussi aller faire ma part de silicone, ou je vais aller sur le chirurgien qu'on tient un peu. Chance que Dieu m'a sauvé, qu'il y a des soutiens, c'est que mon sein s'amarrage, il s'est balayé le sol parce que j'ai maigri. Les veines même sortent autour du bras. Et n'oubliez pas la meilleure crème, la meilleure gamme. La gamme de l'heure, Nelly Beauty. Je vais mettre tout ça sur la tête de mon direct. La gamme la plus moins chère qui travaille, regardez-vous même mon teint. Mon teint est choco. Ce n'est comme si c'est fait par le jiangsang. Ça nettoie la peau. Ça commence par les pieds, ça finit par les oreilles, même tes yeux. C'est-à-dire que tu as une tête uniforme, sans tache et moins chère. C'est à la portée de toutes les femmes, même celles qui n'en ont pas. Tu peux manquer 140 euros pour acheter une gamme de lait. Donc, n'oubliez pas ça. Il y a aussi Adrienne Fashion qui vend les vêtements sur la page à cœur ouvert. Pour les fêtes de Noël, soyez belles les femmes. Soyez chic, soyez glamour. Nous avons souffert toute cette année avec le Covid, les ceci, les cela. Cette année, vraiment, il faut qu'on fête en forme. Donc, soyez belles ce soir-là. Vous allez chez Adrienne, elle a les robes, l'arrivage des robes de soirée, les plus chics pour les femmes. Et il y a les mèches, les perruches chez Michela Pepga. Je vais mettre tout ça sur la tête du direct. N'oubliez pas d'aller faire les soins de visage chez Julie Louis. Quand j'étais dans les classes, j'ai vendu mes gélules la fois dernière. Plus de 200 gélules en 2 semaines. Plus de 200 gélules parce que je ne suis plus dans les classes. Quand tu fais les classes, tu n'as que le malheur qui te suit. Il n'y a que la malchance qui te suit derrière. Quand tu as fait les personnes négatives, qu'elles sont là pour te pourrir la vie. Dès que tu te débarrasses de ta vie devient claire. Emmanuel Keïta, débarrasse-toi de tout le monde. Ne t'attache à personne qu'à tes enfants. Moi, je ne m'attache à personne. Je n'ai pas d'amis. Mes amis, oui, j'ai des soeurs. Comme la mère, mais le Lomania, mais le Lomania sont mes soeurs. Ce sont mes soeurs là-bas. Je ne veux pas les gens qui ont venu me pourrir la vie. Le jour que tu pars, au revoir et merci. Je n'ai aucun remords. Emmanuel Keïta, fais-toi une vie seule. Fais-toi une vie seule. Les gens vont te tuer pour rien. Parce que j'ai fini par comprendre que c'est la jalousie. Parce que tu es une étoile. Tu brilles. Et les gens seront venus te détruire. Regarde ton frère Raphaël, comment il est parti. Parce qu'il brillait. Et on a fini les réseaux sociaux. Fais-nous un endroit dangereux. Et ils ont dit que, oh, Emmanuel Keïta, tu es belle. Le lendemain, qu'elles sont au téléphone et que tu es une sorcière. C'est comme ça qu'elles sont sur la toile là. Fais attention, maman. Dieu t'a donné la chance. Tu as tes followers qui t'aiment. Reste avec tes followers, tes écarlines. Le reste des paparazzi dans ne l'accepte pas. Ou tu es avec Aïcha Sopa, Aïcha Sopa, c'est une fille de confiance. Laisse tout ce monde là. Vite ta vie tranquille, ne prends plus un gars noir. Cherche un blanc. Ou tu prends un Camerounais. C'est quelle malchance c'est ça. C'est quand on appelle ça. Tu agresses quelqu'un qui paraît sur la fin d'école.
Si tu as le numéro de la fille là, tu me donnes. Nous allons aller taper la fille là chez elle à domicile. Nous allons créer, on va taper la fille là. Reste dans ton coin, t'attache à personne. Dieu t'a donné, Dieu t'a fait grâce. Il t'a donné tes enfants. Attache-toi à tes enfants. Si tu as besoin, tu as ta écalagne. Les followers, c'est là qui sont vrais. Quand tu as les followers, mais le mania même pour de vrai. Elles vont bouder, elles vont aller, vont revenir. Tu as la chance, tu as des followers qui t'aiment. Concentre-toi sur tes followers. Cause avec eux. Choisis même certains parmi là. Même si elles sont faux profils, vous causez. Laisse la faire des gens. Elles sont jalouses de toi. Parce que tu es belle. Tu as du potentiel. Tu brilles. Moi, je suis parti le juge. Celle qui t'insuivait l'insulter. Surtout ce qu'on appelle en cause, qu'on appelle Sidia là. La haineuse de Sidia. La tue qui tue. Maman, déclare une fois ta flamme pour Yamina et Maria Keita. Tu es une suceronne. Tu exagères. Prends ta place. Pas. Elle ne veut pas de toi. L'amitié est forcée. L'amitié est forcée. L'amitié est devenue prise en charge. Tu as dit que tu es belle, tu es belle. Quand toi-même tu te regardes, tu es sûr que devant les mains, tu es le jour et la nuit, tu es laide. C'est pas ta tête m'énerve. Quand elle voit ton fils, ton direct, quand elle voit un film d'horreur. Quand elle voit ton direct, je crois qu'elle voit un film d'horreur. Tu es effrayante. Même le make-up, tu es laide avec le make-up. Tes dames sur la colline devant, on t'arrache tout. Tu es quoi? Tu es belle. Tu n'es pas belle. Tu es la plus laide des blogueuses ivoiriennes. J'ai plus que ça. Depuis que les gars, la plus laide des blogueuses ivoiriennes. De toutes ces filles-là, tu es la plus laide. La plus moche. Et même quand tu es même laide, tu peux avoir même une belle voix. Moi, je n'ai pas une belle voix, mais j'ai un joli visage. Mais toi, la laideur, tu parles, tu es la bonne laide. Et tu parles comme si tu c'est moi qui ai même 10 kilos de langue dans ta bouche. 10 kilos de bien dans ta bouche. Quand ça, tu le dis, rentre, va en Turquie. Tu enlignes tes dents. Tu parles quel français même. Les qui te suivent. Tu as la femme-là pourquoi? Tu voulais baiser avec elle. Elle qu'elle aime les bangalas. Ton point est là que quoi? Elle ne sait pas avec l'homme, tu peux faire l'amitié avec l'homme là. Ton point c'est quoi? Regardez-moi une chienne. Tu vas l'aider. Je dis que tu es la plus laide. Quand je regarde tes directs, tes fantômes, ce que je regarde. Tes directs me font peur. Que dans la nuit, je rêve mal. Je fais des cauchemars. Fais ta tête. Tu veux ton coupe, ton jette. Et tu vas lui monter ton corps, je lui mets le maillot de banque. Ton corps est dur comme une cartouche. Tu vois que c'est le corps d'une femme? Eh, voici mon corps, ton corps est dur comme pour un quartier, maman. Quand tu fais le catch, tendon, il faut mettre souple, regarde ma peau, comment mon corps est blessé, c'est ferme, mais c'est un peu blessé. Mais pourtant, là, c'est une bam, avec les gilets, il doit faire, même le make-up, tu ne fais pas, je ne fais pas le make-up, tu es laide, maman, laisse ma mère qu'elle est tranquille, tu es exagère, salope, tu pleures, tu ris, tu n'es pas une mère d'enfant, quand on agresse une femme à l'école, elle a ses enfants, on agresse, tu commences à monter tes 50, tes 100, tes 160 dents qui sont dans ta bouche là. Hein? Avec la colline d'un bobo, tu es parlé, faut, tu parles fort à qui? Tu es qui? Quand vous venez faire la samania, faites la samania tranquille, ne dérangez pas les gens, idiote. Quand vous laissez la femme tranquille, je vais me mettre maintenant derrière toi, tout le monde va clasher, viens sur moi. Laisse moi qu'il t'adresse sur moi, je vais te traiter quand tu mets bien, c'est pas que tu parlais là. Je vais t'insulter à la Camerounaise, salope. C'est quoi? Dis donc. J'ai rien à faire avec toi. Tu arrêtes ça. Il faut dénoncer ce genre de comportement. Tout le monde doit dénoncer ça. C'est quoi? Le vidéo devient la réalité. On appelle ça le game, mais le game a des limites. Quand il y a un mode, quand il y a une agression, bagarre, on dénonce. Tu viens, tu commences à dire que. Tu es mongol. Les dents, ils sont collés avec la langue. N'importe quoi. Idiote, bordel sans valeur. Regarde-moi comment elle est comme le crabe. Une laide de choses comme ça. Tu es né où? Tu es même sûr que tu es ivoirienne. Avec tes anciennes, faut devoir t'envoyer. Tes anciennes, faut devoir t'envoyer. Comme je pleure. Les larmes pleurent. Et t'es prévenu. Idiote. Hein? Faut laisser la femme la tranquille. Tu as compris, t'es prévenu. Je t'ai prévenu que quand tu vas voir, je m'assois sur toi. Tu vas dire que tu as fait une fille. Moi, je ne suis pas une Marie Keita. Je suis la racaille. Hein. Et Marie Keita ne vient pas la voir rire là. Moi, je suis la racaille. Tu essayes ça sur moi. Maman, ce n'est pas ce que tu parlais là. Je vais te laver matin, midi et soir. Tu colles la palangala. Elle n'est pas tu. Va tirer tes clitoris ailleurs. On vous connaît. Les lesbiennes cassées, tu pleures. Tu pleures son tot. Elle a dit que c'est pour les hommes. Va laisser ailleurs. Regardez-moi celle-là que Facebook a lavé. On t'a vu, c'est comme la souris quand tu es sur Facebook. Comme le rat.
Comme tes dents sont comme les dents du rat. C'était comme le rat. Tu étais là comme ça là. Tu étais là, tu cherchais. Elle a fait comme ça. Elle a fait comme ça. Elle a fait comme ça. Elle est montée depuis là. Tu es pas fatigué. De parler de jeune personne depuis. C'est quoi? Tu es fanatique, tu es la première fan. Même quand on aime une star, il y a les limites. On t'ignore. Je n'ai jamais entendu parler de toi là de cette directe. Maman, c'est l'ignorance. Tu n'as pas encore une femme de suivre. Tu parles de femme tous les jours, tu gênes même parce que tu as parlé d'elle. C'est de moi ce qu'il a fui. Hein. Sale idiote. Regarde-moi ça. Tu viens, tu commences à jubiler. Tu la vois avec quoi? Hein? Même sans Kaolo, tu n'as pas les Kaolo. Toi, tu as les Kaolo, tu ne sais pas quoi. Si elle a les Kaolo, elle va faire le tour du monde. Comme toi, tu vas voir ce qu'on appelle. Toi qui as les Kaolo, tu fais quoi dans ta vie? Tu fais t'asseoir et juste à le direct. Matin, midi, soir, le direct. Le soir, tu as le direct. Elle chie, tu es au courant. Elle pisse, tu es au courant. Elle ne chie pas, tu es au courant. Elle ne se parle pas, tu es au courant. Mon frère, tu es sa bonne. Ya, yeah. Sylvia. Sylvia Kongzo. Sylvia Rachkou. Laisse ta femme là. Laisse ta femme là. Vite ta vie. C'est quoi? Et Maria Keita, matin, midi, soir. Dis donc, quand tu partais laver les assiettes, on te va tâcher. Quand tu partais laver les assiettes chez elle, tu lavais les assiettes, tu lavais les strings, tu lavais tout, on te va tâcher. Comme elle avait qu'elle a trouvé une autre ménagère, tu appelles la ménagère qui était chez elle. Elle faisait quoi? Les enfants étaient comment? C'est quel ça? On appelait ça la sorcellerie. Elle faisait quoi chez elle? Elle lavait les assiettes. Ah bon? Et vraiment, elle a dit que quoi? Que Chambel est mariée, elle a fait quoi? Et la femme, j'ai dit que non, elle ne m'a jamais même mal fait chez moi. Elle était toujours gentille avec moi. Ah bon? Mais tu n'es pas. Tu poses quoi avec la mère de quelqu'un, ma soeur? Ce n'est pas la sorcellerie. C'est Sylvia qui a envoyé la fille là. Je vous jure que c'est Sylvia, alias Arrache-Clou, qui a envoyé la fille là. Parce que regardez le direct de Sylvia, où elle appelle la ménagère de manière Keita. Elle cherche, elle enregistre que leur conversation. Elle vient mettre sur la toile. Hein? Elle vient mettre sur la toile. Elle vient mettre sur la toile. Tu entends comment elle pose les questions à la ménagère. Elle cherche, elle creuse, elle cherche, elle creuse. Donc, c'est elle s'est rappelée qu'elle a une copine qui a aussi le même enfant à l'école avec les enfants, avec l'enfant de Maria Keita. Elle a envoyé sa copine à te filmer. C'est Sylvia. Sylvia Nkonzo. Sylvia Arrache-Clou. C'est toi qui as envoyé qu'on peut arrêter l'enfant là. Il y a aussi celle-là qui peut arrêter la Robert, la bagarre. Vous, nous sommes ici en France, hein. Ici, il n'y a pas le. Ici, il neige, hein. Ici, il n'y a pas le holo-holo qui est en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, là. Ici, c'est un bain, hein. On ne se bat pas dans la rue, hein. Arrêtez de salir la Côte d'Ivoire de Moni Seka, hein. C'est quoi ça? Les bagarres partout en route. Vous ne voulez pas vous respecter, des vieilles mamans comme ça. Comme tous les filles que vous avez les 30 ans, les 28 ans. Tous les grandes soeurs, les grandes soeurs. Tu vois leur visage glace. Tu vois bien les rides. Mais quand tu appelles que ma grande soeur. On a cette pour vous faire plaisir. Vous êtes des vieilles filles. Merde. Regardez-moi les sapins comme ça. En tout cas, je suis un peu très énervé ce soir. Je vais faire le direct demain dans l'après-midi. Franchement, parce que la flamme. Je suis pas bien. Ouais, quand je parle, quand je suis pas bien, je parle un peu bizarrement là. Moi, dans les réseaux sociaux, je reste avec mes lolomanias. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus confiance à personne. Je suis une lionne. Et Maria Keita n'a pas peur. Tu as ta team, tu as tes écalanes. Apprends à classer. Il veut te faire chier, tu veux que tu la laves correctement bien. Parce que tu veux te faire chier. Tu commences à classer, même si c'est deux fois par mois, tu classes. Tu te laisses plus faire. Parce qu'elles sont jalouses de ta beauté. Maman, même si tu te refais ces données, chacun a qu'à faire. Même moi, je vais faire mes fesses bientôt. Mes fesses sont trop plates. Je vais les ajouter. Ça laisse qui? Qui est par exemple Ariana? Donc, mes soeurs, je ne vais pas vous retenir longtemps parce que je ne suis pas bien. N'oubliez pas les genoux, j'ai la rivage. Et mes genoux, ça va comme des petits bouts de pain. Ne venez pas à parce qu'au mois de janvier, je ne serai pas là. En janvier, moi, je vais en Espagne en vacances. Je vais rester un mois en Espagne. Donc, les genoux, ceux qui me conseillent, ceux qui me suivent la cure de deux mois, contactez-moi au 007 60, non, 0033 766 29 22 01. C'est mon numéro de téléphone. Uniquement sur WhatsApp. Ça, c'est la magie. Débarrassez-vous des kilos. Si vous voulez ressembler à Emmanuel Keita, venez acheter ça. Elle a le corps d'une femme. Arrêtez de la jalousie. Entretenez-vous. Vous ne dépensez pas l'argent sur vos corps. Vous venez fantasmer sur les gars qui ont mis l'argent sur elle. Et si vous commencez à déranger les gens, dis donc. Les classes apportent la poisse. Ne restez pas là pour une monétisation.
Tout le monde est venu seulement monétiser la paix parce qu'elle veut l'argent. L'argent facile. Après, vous êtes sur les mères des gens, vous êtes sur les pères des gens, les enfants des gens. Voilà la mère de la Poutchou qui est en France, aux urgences, elle a traversé la mort à cause de vos classes. Vous ne vous asseyez pas. Les Camerounais ont fait son abîme, on a que le tout, on dépose les armes. Chacune de nous dans son coin. Donc, mais la famille, je ne vais pas vous laisser longtemps. Le prix, tu viens à Nîmes, bon, c'est même pas le prix devant les gens. Mais elle n'a qu'à porter plainte. Hein. Quand tu te sens menacé, tu portes plainte. Cette perruque-ci, c'est en vente chez Michela Pepga. Cette perruque est en vente chez Michela Pepga. Je vais mettre le numéro de téléphone. La perruque est en vente. Chez Michela Pepga. C'est en hiver, la plupart des femmes, c'est quand tu portes déjà le perruque en hiver, tu es bien parce que ça te couvre du froid. D'ici et le derrière. Elle est en vente chez Michela Pepga. Celle que j'avais avant, c'est pareil. C'est la taille 30. Donc, je vais vous laisser aller dormir. On va se prendre demain à l'après-midi. Donc, Emmanuel, moi, je suis de tout cœur avec toi. Parce que hier, je ne vais pas être ton ami. Parce que je ne cherche pas les amis dans les réseaux sociaux. Mais tout ce que je peux te dire, il faut beaucoup prier. Prie beaucoup. Prie beaucoup que le Seigneur te protège. Et fais attention avec les gens que tu laisses entrer dans ta vie. C'est la raison pour laquelle tu fais attention. N'embrasse plus les gens n'importe comment. Parce que ce que tu vis là, c'est les gens que tu as laissé entrer chez toi qui sont en train de te tuer. On va parler dans les détails. Fais gaffe. Tes enfants ont besoin de toi. Si tu n'es plus là aujourd'hui, ce sont tes enfants qui vont pleurer. Nous là, on va continuer à vivre. Même ceux qui disaient qu'ils t'aiment là, ils vont continuer à vivre. La seule personne qui peut te conseiller comme ami, c'est Aïcha Sol. Parce qu'elle a pris, elle a pris au moins 2 heures pour me parler de toi. J'ai senti que elle est vraie avec toi. Éloigne-toi de tout le monde qui, toutes ces personnes-là qui veulent te nuire. Ferme tes oreilles et vis ta vie. Tu as la chance, profite des réseaux sociaux. Parce que dans les réseaux sociaux, les clashs apportent la malchance. Ça veut dire que je ne clash plus, je me mets dans mon business. Mon business me rapporte. Je viens faire le direct quand je sais que j'ai quelque chose à main. Quand je n'ai rien à main, je ne le fais pas. Donc pour les gélules, c'est le 0033-766-29-22-01. Pour les perruques, je vais mettre le numéro aussi en tête du direct. Si vous voulez faire, même pour les soins des visages, c'est Julie Loé. Adrienne qui fait les habits, elle a les nouveautés. Je vais mettre le lien de sa page. N'oubliez pas les produits Noli Bouti aussi. Julien Zombie, la reine de Lumaya, bonsoir. Oui, le président Ibouabala de Bénin va se marier le 25 mars. Les pannes sont disponibles chez lui parce que moi, je n'en ai pas. Et les cartons d'invitation seront envoyés à partir du mois de janvier. Je vous laisse vous reposer parce qu'il s'est fait tard. On va se dire bonne nuit. Et on va finir avec une musique religieuse. Que le Seigneur accompagne Emmanuel Keïta dans ces moments difficiles. Franchement, pardon si tu es offensé. Je ne veux pas être témoin du malheur de quelqu'un. Je retire tout ce que j'ai dit de toi. Je ne veux pas être témoin du malheur de quelqu'un. Si j'ai été offensé ou j'ai dit quelque chose de toi un jour, pardon, je sors dans ça. Les écailles là, pardonnez-moi, pardon. Moi, je ne veux pas le mal. Où il y a le mal, je fuis. Moi, je vais prier pour toi. Que le Seigneur t'est loin de tous les esprits maléfiques là. Des personnes qui te veulent du mal et qui t'ouvrent, qui te montrent un autre chemin. Qui t'est loin de ces personnes là. Si j'étais fait du mal ou si mes mots t'ont blessé ou t'es blessé avec Erkanline, je sors dans ça. Je ne veux pas un jour que quelqu'un va dire que l'autre était aussi dedans. Je retire mes mots. Pardon. Je n'aime pas voir quelqu'un mal. Je n'aime pas. Je ne suis pas une disciple du diable. Moi, je peux souvent faire mes choses, mais je ne mets rien dans le cœur. Mais quand je vois que ça va déjà loin, je m'éloigne. Donc, ma chère sœur, beaucoup de courage. On va finir avec la petite musique religieuse. C'est la belle. La belle. Je ne l'ai pas demandé pardon. Je demande pardon à sa écale. Oui.
Comment tu t'appelles? C'est normal. C'est le game. Mais quand tu vois que le game va déjà loin, tu te retires. C'est comme ça. Elle n'est pas morte. Elle était agressée. Il ne s'est pas encore allé loin. C'est de ma parole. Elle s'est écalée parce qu'elle ne me suit pas. C'est écalée qui me suivent. Je leur dis, je retire mes mots sur ce qu'ils disent de leur star. Et comment je vais m'occuper de ma vie. Je ne veux plus être dans vos choses là. Voilà. Je ne veux même plus me mêler des histoires des Ivoiriens. Parce que pour vous là, ça va trop loin. Je ne veux plus jamais faire allusion à tout ce qui vous concerne. Restez avec vos choses là-bas. Vous exagérez. Vous allez très très loin. Vous exagérez. Au moment donné, il faut passer à autre chose. Moi, non. Vos histoires, non. J'ai mes amis là-bas du côté de la Côte d'Ivoire. Aya Robert, Lolo Beauté, toutes ces filles. En tout cas, je vous aime toutes. Je ne veux plus entrer dans vos guéguerres là. Je reste dans mon petit monde. Aïe, mes Lolomania. Je vais plus prendre parti, je vais regarder avec comme tout le monde. Je ne veux pas que quelque chose arrive à l'enfant de quelqu'un, dit que Loulou était là, pardon. Ma mère ne m'a pas appris le mal. Je peux insulter, mais j'ai des limites. L'attitude de mon cœur, tu n'as d'égal que la puissance de ta droite. Tu n'as d'égal que le verbe qui sort de ta bouche. Tu n'as d'égal que ta volonté sur tes enfants. Ah oui, Nasra. Tu marches par le l'abondance, l'abondance. Bien fait dans ma vie, à peu près. Bien ouais, mon père, ma soeur. Je vais mettre en haut de ma page. Voilà le secret. Maeva Belinda. Passez mon commande. Théba, tu dis quoi? Ça n'a pas d'effet secondaire, c'est les écorces. Le titre de la chanson, Divine, c'est... Le titre de la chanson. Attends, je te donne le nom de celle qui chante. Elle s'appelle Label, c'est ça, non? L-A-B-L. Lab. Donc, voilà. Sur YouTube, c'est elle qui chante. Attends. Le titre, attends, je vais regarder ça sur YouTube.
Demain, je vais faire un direct l'après-midi où je vais parler de... C'est comme si ce n'est pas encore sur YouTube. Je ne vois pas le lien là. C'est ça qui c'est la même personne qui s'en fait. Karen. C'est la même personne qui chante ça. Allez dormir. Karen, écris-moi en inbox. Au 00-33-766-29-22-01. Écris-moi ma chérie, Karen. Écris-moi au 00-33-766-29-01. Bon, écris mon numéro, je vais pingler. Rosalie, écris mon numéro. 0033-766-29-2201. Non, maman, tu mets pas le lien, tu m'écris, on met pas les liens sur ma page, ma puce. Tu écris sur ma page, tu m'écris à l'île, bon, mon numéro de téléphone. Écris-moi, tu as mon numéro. Tu vois en espagnol, bien sûr. Allez dormir. J'ai dit mon numéro, c'est le 0033-766-29-2201. Je ne donne aucun prix en direct. Et Rosalie, s'il te plaît, tu peux écrire mon numéro. Angélie Yomi, bonsoir ma petite soeur. 0033-766-29-2201. Tu écris mon numéro, je vais épingler. Et je vais aussi le écrire sur la tête du direct. Dans le domaine où les fausses amitiés. D'accord. Les gélules, il faut que je commercialise les gélules. Oui, vous pouvez commercialiser mes gélules. Hein. Bien sûr. Si tu veux être représentante en Belgique, aux États-Unis, en Allemagne, non, parce que rêve est déjà là-bas. En Belgique et tout, voilà. Belgique, États-Unis. Encore Canada aussi, vous allez dormir parce que je vous jure que j'ai vu la vidéo là, j'ai très mal au cœur, je me sens pas bien subitement. C'est comme si je serais malade, je me sens pas bien du tout. Je vous mens pas. Vous regardez quand je fais souvent les directs, quand j'ai des difficultés à parler, ça veut dire que ça, mon corps rejette. J'ai pas envie de faire le tirage, je sais pas, je me sens pas bien. Il y a les mauvais esprits. Hein. Les gens, quand tu commences à parler avec eux comme ça, ils t'apportent la poisse. Je me sens pas bien. J'ai seulement envie d'arrêter le direct là. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de mettre patience d'avant, il faut s'amitier. Après ça, je coupe. Non, ce n'est pas ça. 33 00 33 7
766, tu ne mets pas le 00 devant le 7, c'est 7. 0033 766 29 22 01. C'est pas grave, je mets tout sur la tête du direct. Non, non, pas chargé, je ne dis pas ce genre de commentaires, c'est pas important.